Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble la salade Gohan, pêche et crabe. Allez, c'est parti. Alors, les ingrédients pour la recette. On a ici l'alternative végétale au fromage blanc, l'Alpro Gohan nature. Deux pêches, un citron, un petit peu de graines de fenouil, un petit peu de petits pois, un petit peu de crabe et de l'aneth. Alors, le principe est simple, il est de tout mélanger simplement et d'assaisonner. Alors, pour faire des segments de pêche, vous voyez, c'est très simple. On commence comme ceci et on vient lever des petits segments. Ça permet d'avoir un bel équilibre entre la peau et la chair. Donc, les quartiers de pêche, nos petits pois, l'aneth ciselée. N'oubliez pas, jamais trop fin, de façon à toujours pouvoir tomber sur quelques branches ou quelques morceaux et profiter au moment où on croque. Donc ici, l'aneth. On va rajouter le crabe. Un petit peu de zeste et de jus. Sur le jus, très peu, donc c'est pas la peine de couper le citron en deux. Ce sera plus facile de le conserver si vous avez coupé, hein, juste une petite partie. Voilà. On rajoute nos graines de fenouil, un petit peu d'huile d'olive et l'Alpro Gohan. Alors là, on en met une belle cuillère à soupe. On n'oublie pas, bien sûr, sel et poivre. Et là, regardez, on fait attention en tournant à ne pas écraser les légumes ni les fruits. Hein, ce qu'on veut, c'est toujours garder la texture quand même du... Regardez, si je prends, on voit bien les quartiers de pêche, on voit bien les petits pois, on voit bien que la nette n'est pas écrasée, rien du tout, donc ça c'est important. Hein. Une fois que vous avez fait ça, tout simplement, vous dressez dans votre petit bol. Et alors, pour déguster cette belle salade, au lieu d'avoir des toasts de pain, hein, que l'on fait au toaster, ou du pain grillé, ou des biscottes ou quoi, on va se faire des petites tranches de 2-3 mm, comme ça, regardez, avec du radis blanc. On va pas l'assaisonner, c'est volontaire. Et on va se servir de ça, en fait, comme d'une base, pour venir, en fait, prendre un petit peu de notre salade. Alors ça, c'est aussi une nouvelle façon de déguster une salade. Surtout, une salade comme ça que l'on peut faire vraiment en urgence. Vous avez une pêche, vous avez même un petit peu de petits pois surgelés, vous avez du crabe, vous avez un petit radis, et puis vous créez quelque chose comme ça sur le moment. Donc, on attend vos idées de petites salades végétales ou accompagnées de poissons ou de volailles ou autres avec impatience. On attend aussi bien sûr les photos, les textes, et on les publiera sur votre page, la page Facebook de Martin Bonheur. Bon appétit.